On a eu la chance pour cette exposition, effectivement, peut-être parce que c'est Paris, parce que Paris célèbre le 100e anniversaire du surréalisme, de bénéficier de prêts absolument exceptionnels. Il y a effectivement les grands chefs-d'œuvre de Magritte, de Dali, et on voit derrière nous un des plus grands chefs-d'œuvre de Magritte, qui est l'Empire des Lumières. Le surréalisme est fondé au début des années 20 par des jeunes gens qui sortent de l'horreur de la Première Guerre mondiale. La plupart ont connu l'expérience des tranchées et ils vont remettre complètement en question les valeurs du monde moderne occidental, c'est-à-dire les valeurs du siècle des Lumières, qui sont le rationalisme, la raison, le progrès, l'industrialisation, et qui vont avoir l'intuition qu'il y a une urgence à réinventer complètement le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport au cosmos et à la nature. La réalité de ce mouvement, c'est que c'est celui qui, dans l'histoire de l'avant-garde, dans l'histoire de l'art moderne, a fait la plus grande place aux artistes femmes. C'est vrai qu'elles sont encore minoritaires dans les années 20, lors de la fondation du mouvement. On le disait, ce sont de jeunes poètes, ce sont un groupe d'amis qui fondent ce mouvement. Mais très rapidement, elles vont apparaître essentielles parce que justement, le surréalisme est un terrain d'émancipation, est un terrain de liberté, et un grand nombre d'entre elles vont trouver là un terrain d'émancipation.